Bonjour tout le monde. Bon ben voilà, ça faisait un moment que j'étais pas sorti. Là j'en profite, il fait super beau. Je suis allé faire un petit tour à la truite ce matin, mais trop de monde, trop froid. Et puis ben voilà, ça a pas payé. Je suis resté 2 heures, il faisait 0 degré, c'était bien bien froid. Je me suis bien caillé, mais bon, c'était le plaisir de faire l'ouverture. Ça a pas payé malheureusement, j'ai pas fait de truite, mais bon, c'est le plaisir quoi. Donc là, du coup, je vais aller faire une petite balade en forêt et puis faire un petit casse-croûte. J'ai prévu de quoi grignoter un morceau et puis je vous reprends tout à l'heure. Allez, ciao! C'est impressionnant, hein. On a eu une tempête la semaine dernière, il est pas revenu là. Mais alors, on a eu ici, je me trouve, donc je suis dans l'Ain, et on a eu une mini tornade qui est passée sur 2 villages, et on a eu des vents qui ont atteint, estimé à environ 170-200 km/h. Et ben, ça a fait du dégât dans la forêt. Hein. Oh là là. Là, tous les arbres sont couchés, c'est. Enfin tous, j'exagère, mais voir des mastocs d'arbres comme ça couchés, c'est impressionnant quoi. Wow. Déraciner les arbres, quoi. Ça les a juste pas. Ça n'a pas juste cassé les cimes, ça les a déracinés. C'est hallucinant. Incroyable. La force des éléments, ça me sidère à chaque fois. Regardez-moi ça. Pouah, 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 pouah. Eh ben. Quand Mère Nature est en colère, elle le fait savoir. Hein. Regardez-moi ça. Je ne sais pas sur quelle distance ça s'étend, mais tous les arbres ont été couchés. Quoi. Je regarde quand même que j'en ai pas une branche qui me tombe sur la gueule, mais vous avez vu ça? C'est impressionnant. Impressionnant. Incroyable. Voilà. Ouais. Bon, je sais pas sur quelle distance ça s'étend, mais. Ouais.
Enfin bon. Ah bah, l'avantage c'est que j'ai du bois mort pour me faire un petit feu, moi. Impeccable. Bon allez, je vous reprends une fois que j'ai démarré mon petit feu. Regardez ça. L'arbre en tombant, il s'est fendu en deux, quoi. Putain. Incroyable. Incroyable, incroyable. La force que ça a dû provoquer. Waouh. C'est parti mon kiki. Faire chauffer l'eau pour le café. Et puis voilà. Et voilà, environ 2 minutes, 2 minutes 30. L'eau est chaude. C'est calme. Je peux mettre le café dedans. Petit café au lait. Déjà sucré. On verra si j'ai besoin de rajouter du sucre. C'est la première fois que j'essaye. Hein. Parce que ça donne. Je risque de faire bondir Chartreuse Bushcraft, Nico. Mais toi qui es un puriste du bon café. Mais voilà. Là j'avais pas prévu. C'était pas une sortie essentiellement bivouac. Donc je joins l'utile à l'agréable. Et puis voilà. Bon ben voilà, hein. Comme je suis originaire de la Yacht, et ben hop, un petit bout de tome, le fameux Opinel. Bon celui-là il est tout neuf, hein, parce que l'autre il était vraiment dans un état catastrophique. Il était bien bouffé et j'ai dû investir pour acheter un petit Opinel et puis voilà, histoire de faire honneur à mon fromage. Hop, une bonne petite tranche, du bon pain bien frais. Regardez-moi comme ça craque bien, impeccable. Voilà, je vais me poser tranquille, je vais être bien. Je vais être bien, mais bien. Oh là là. Hop, poser mes miches là. Ce sera plus simple de l'autre côté. Tout à portée de main. Voilà. Santé les copains. Putain, la vache est chaud, hein. C'est ça qui est bon.
Allez, je vous laisse profiter du calme de la nature. Kiffez comme moi. Allez, mon petit intermède casse-croûte est fini. Voyez, j'ai laissé l'endroit comme je suis arrivé, impeccable. Et ben allez, parti se promener un peu là. Voir un peu cette jolie forêt. Dans lequel j'aime venir m'y ressourcer. Pas autant que je le voudrais, mais quand je peux le faire, c'est le plaisir. Là, c'est calme, à part les oiseaux que je dérange. Y a pas grand-chose. Peut-être qu'avec un peu de bol, on croisera des chevreuils. Il y en a beaucoup dans cette forêt, on ne sait jamais. Seul défaut, c'est qu'il n'y a pas de point d'eau ici. Pas de petite rivière qui la traverse, et ça c'est fort dommage. Parce que pour les bivouacs, c'est un peu la galère. Faut prévoir son eau. Du coup, alourdir, ce qui fait que les temps de trajet doivent être plus courts si on ne veut pas être trop fatigué quand on traverse, quand on transporte. Bah, il faut au moins, si on veut faire un bivouac sur plusieurs jours, bah, il faut une grande quantité d'eau. C'est très encombrant. Voilà. Allez, je vous laisse profiter.
Oh oh oh, jackpot de l'Amadouvier, impeccable, parfait, 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 parfait. Et ben voilà, une petite collecte à faire. Bon ben voilà, moi ça m'aurait fait une petite heure de balade, ça m'aurait fait beaucoup de bien. On n'aura pas vu grand chose, mais on aura bien profité de la nature. Et puis maintenant je vais aller retrouver ma petite famille et puis passer la journée avec eux et profiter de ces moments de bonheur encore plus intense quand c'est avec la famille. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!